entrer, Seigneur. Il n'y a que toi, nous te bénissons, l'incomparable. Tu mérites la louange et l'adoration. Qui est comme toi, Sabaoth. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Qui est comme toi, Jéré. Pour la paix, pour la tranquillité. Qui est comme toi, Rapha, le rocher du siècle, nous te bénissons. Qui est comme toi, Jésus. Oh, toi qui règne à jamais, Seigneur. Le plan de vie, Seigneur, c'est toi, Jésus. C'est toi que nous sommes venus l'adorer, l'aimer, Seigneur, cet après-midi, Jésus. Oh, il n'y a que toi, mes envies, c'est toi, Jésus. Tu mérites, Seigneur. Si nous sommes tu mérites envies, notre louange cet après-midi. Voilà pourquoi tu mérites d'être célébré. Tu mérites, tu mérites. Oh, voilà oh il n'y a que toi, le prince de paix. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Seigneur, c'est toi. Ma force, c'est toi, Jésus. Ma forteresse, Jésus. C'est toi, Dieu de gloire. Reçois toute la louange, Seigneur. Reçois toute l'adoration cet après-midi, Jésus. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Nous t'appelons Alpha, Emmanuel, l'Oméga, Jésus. Alléluia, le commencement et la fin, Seigneur, c'est toi, Jésus. Nous te bénissons, Jésus, parce que tu es Dieu. Les gardiens de mon âme, c'est toi. Toi, Jésus, les gardiens de mon âme, Seigneur, c'est toi, mon souffle de vie, Jésus, c'est toi, toi qui étais, Jésus, alléluia, tu étais avec Abraham, tu étais avec Isaac, tu étais avec Jacob, aujourd'hui tu es avec nous, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, parce que tu étais, tu n'as pas changé, Jésus-Christ de Nazareth, qui est comme toi, Adonai, il n'y a que toi, il est comme toi, Jésus, j'irai. Alléluia. Mon âme, t'es l'eau. Tu es Dieu, Jésus. Il n'y a que toi, trois fois saint. Il n'y a que toi, le prince de paix. Il n'y a que toi, le Dieu des grâces. Si nous sommes là pour t'adorer et te célébrer. Jésus, nous sommes là, Seigneur. Commence à clamer, Jésus. Commence à clamer. Commence à clamer. Acclame, acclame, acclame. Pour ses merveilles, acclame. Pour sa bonté, acclame. Pour ce qu'il a fait dans ta vie, acclame. Dis combien il est merveilleux. Déclare, déclare. Déclare combien il est bon. Déclare pour ta vie. Déclare, déclare. Combien il te protège. Déclare. Acclame encore. Et pousse des cris de joie. Glorifie Jésus. Que glorifie Jésus. Pour sa grâce, pour sa bonté. Rebebe rakota kashababa. Ibreche ke ya kote karababa baba. Et nous te bénissons, toi qui es notre Dieu. Nous te bénissons, toi qui es l'incomparable. Le merveilleux. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Le Dieu que j'adore, Seigneur. Mon angelou, alléluia. Prince de paix, prince de paix. Oh, 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 oh. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alléluia. 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 Pour mériter. Tu as mérité, Seigneur. Tu mérites. Tu mérites. Je vois ton amour. Je vois l'amour de Dieu dans ta vie. Je vois l'amour de Dieu couler dans la vie d'une personne. Je vois la bonté de Dieu défendre ton cause. Et je vois l'Éternel descendre pour répondre à ton problème. Je vois le secours de Dieu venir vers toi. Jésus. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Restez calme devant sa présence. Restez calme devant sa présence. Contemplez la bonté de l'Éternel. Restez calme. Observe combien l'Éternel est bon. Observe encore. Restez calme encore.
J'ai une image qui vient devant ta vie lorsque tu étais malade. Combien l'Éternel est venu te secourir. Il y a une image qui vient devant toi lorsque tu as fait un accident. Mais sa grâce était là. Dans tes combats, il était là pour défendre. Il est le secours qui ne manque jamais dans les moments de détresse. Oh. Reba ekata kashaba. Ubreye ke mata kashar. Ibre zobre emete keraba bara mata kashibre ebia kasha. Contemple encore, contemple encore. Roba bari ke te ke shaba baba baba. Roba be kaika te ke shebe berenda kosha baba baba. Ubreye ke akata kasha mana karibe bebe ebia kashibre be ta kashara baba baba. Dis-lui, contrôle ma bouche. Prends soin de ma bouche, de mes paroles, Jésus. Que je ne parle pas pour parler. Que ton esprit saisisse ma bouche. Au nom puissant de Jésus. Père, nous, encore une fois de plus, nous te disons merci. À ton nom, Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire alléluia, de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie et acclamer alléluia, pour la gloire alléluia, de l'Éternel? Alléluia, alléluia. Ah, si ton Dieu est véritable, est-ce qu'on peut acclamer encore? Est-ce que quelqu'un peut acclamer, s'élever, lève-toi et acclame Jésus. Lève-toi et acclame, est-ce pour sa bonté? Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour acclamer son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour acclamer celui qui donne la paix, la tranquillité, la santé? Il est le médecin par excellence. Alléluia, le bon berger. Il est merveilleux. Il est le secours qui ne manque pas dans les moments de détresse. Jésus défend ta cause. Devant le combat invisible, mais son nom est là pour te protéger. Acclame encore, pousse des cris de joie. Amen. Restez debout. Dieu est merveilleux. Il nous a fait grâce. Vraiment, c'est par l'amour ainsi que par la bonté de l'Éternel. Si cet après-midi, on est là. On n'est pas là parce que nous avons mérité, mais parce que sa grâce nous a affectés. C'est aussi une grâce pour moi d'être là parmi vous. Vous savez, il y a des fois, il arrive que dans notre corps, tu veux faire des choses, mais ton corps n'accepte pas. Ou ton corps refuse. La santé ne veut pas. Mais son amour s'est encore manifesté, nous a fait grâce d'être là devant sa présence. Amen. Est-ce que tu peux acclamer et s'asseoir 2 minutes pour la gloire de Dieu? Merci. Je sais très bien que l'heure a avancé, mais la grâce de Dieu est sur nous, ainsi que son amour. Comme dit la Bible, que l'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin. Laisse-moi t'affirmer que l'Éternel a encore renouvelé sa bonté dans ta vie. Ah, si c'est le cas, est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Si l'Éternel a renouvelé sa bonté, est-ce que tu peux dire encore gloire à Dieu? L'Éternel est bon, il est puissant, il est fidèle. Cet après-midi, il nous a invités d'être devant sa présence. Laisse-moi te dire, les temps avancés, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit t'aide. Ce que je ne pourrai pas enseigner ou parler, ou que ce que Dieu ne mettra pas dans ma bouche, que le Saint-Esprit te parle encore. Il arrive. Quand Dieu nous parle de quelque chose, ou si Dieu veut t'apprendre quelque chose, Dieu insiste. Il y a certaines paroles, quand tu lis, ça passe. Mais il y a certains mystères, quand Dieu t'assène, ça reste dans ton cœur. Et tu vas voir même ce qu'on n'a pas prêché, ce qu'on n'a pas enseigné, Dieu est capable de te rappeler. Alléluia. Dieu est capable de te rappeler. Cet après-midi, nous allons encore une fois, permettez-moi de s'élever, parce que nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu. Permettez-moi, s'il te plaît. Faites cet effort, s'il te plaît. Toute l'église, s'il te plaît. Prends ta Bible, lève-toi, s'il te plaît, s'il te plaît. Levons-nous pour honorer la parole. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 19. Nous allons lire le 26 au 28e verset. Matthieu chapitre 19.
Verset 26 à 28. Vous y êtes? Matthieu chapitre 19, verset 26 à 28. Je lis la parole de Dieu. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre prit alors la parole et dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Regardez, il y a des choses qui sont impossibles aux hommes. Là, quand notre sœur était en modération, il a dit, Jésus, parle-nous. Et ça, c'est une question que les disciples ont posée, c'était leur inquiétude. Avant de poser, et encore une fois, nous allons revenir dans cette lecture-là. Revenons encore, une fois. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pierre prit alors la parole et dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Acclame pour la parole. On peut reprendre nos places. Encore une fois, depuis que Dieu vous bénisse. Il y a des choses, comme je disais, ça, ce sont des préoccupations qui peuvent toucher n'importe quelle personne. Ça peut être aussi moi, ça peut être vous. Mais là, c'est Jésus qui parlait. Je disais, Jésus parlait tant que Dieu. Il y a des promesses, ça peut se faire. Ici-bas, quelqu'un peut te promettre. Il y a des promesses, quand un homme te promet, toi-même, tu sais que ce n'est pas possible. Alléluia. Il y a des promesses. Quand même quelqu'un te promet, tu te saches, toi-même consciemment, tu sais que ce n'est pas possible. Et dans cette lecture que la Bible nous apprend d'abord, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a certaines dimensions de promesses qu'on peut te faire. Ici en France, on peut nous promettre des choses. Toi-même, quand tu es même si moi je te promets, tu comprends directement ça, ça peut être ça, c'est possible. Mais il y a certaines dimensions de promesses, c'est compliqué. Et Pierre a parlé de son inquiétude. Maître, nous avons tout quitté pour te suivre. Il y a des gens que Dieu les a récupérés dans plusieurs situations, plusieurs réalités. Il arrive, il y a des fois, des gens qui s'est convertis, qui étaient prostitués. Il arrive que des gens s'est convertis, qui étaient dans les péchés, ou se comportaient mal devant l'Éternel. Il a tout quitté, abandonné. Et aussi, ils ont tout quitté. Et à la lire où allaient les choses, ils n'étaient pas devenus des milliardaires ici-bas. À la lire où allaient les choses, ils avaient aussi certaines inquiétudes dans leur vie. C'est pour cela qu'ils étaient obligés de poser des questions. C'est pour cela que j'ai dit, il y a des fois, il faut poser des questions. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Quand on ne sait pas certaines choses, tu demeures dans l'ignorance. Et pourtant, il y a des promesses pour toi. Il y a des choses que Dieu a dit pour toi. Et lorsqu'ils ont posé leurs questions, Jésus les a dit. Pas maintenant. Comme on a dit, on a pris l'autre jour. La promesse a été dite à un homme qui devait mourir pour rencontrer, pour avoir ses promesses. Lorsque de la renouvellement de toutes choses, lorsque je serai sur mon trône de gloire, vous allez s'asseoir. Et non seulement ça, vous allez s'asseoir à côté de moi. Vous aurez la capacité même de juger les 12 tribus d'Israël. Quelle opportunité. Alléluia. Il arrive, il y a des fois, quand on prie, on se pose des questions. Je prie Dieu. Qu'est-ce que j'aurai en retour? Il arrive, il y a des fois, quand on fait des sacrifices, on se pose des questions. Je me suis sacrifié. J'ai vu même, c'est le plus grave, un homme qui témoignait. Il y avait une église qu'on a donné beaucoup d'argent. Et Dieu a dit au pasteur, quitte Saint-Brieuc pour aller, je donne un exemple, pour aller à Lamballe. Étant donné que Saint-Brieuc et Lamballe est tellement loin, ne prenez pas ça comme ça, prenez ça un peu plus long.
Étant donné que Saint-Brieuc et Lamballe est un peu plus long, loin, le Messie est venu, dit, pasteur, toi tu pars. Nous, on a tout donné dans cette église. Maintenant, toi, Dieu t'a envoyé ailleurs. Donnez-moi même un peu de ce que j'avais déjà donné pour que je puisse profiter. Il y a des gens qui prient. Quand nous prions, quand notre pensée est reliée sur la terre, reste sur la terre, nous allons donner des efforts à la prière. Nous allons chercher Dieu dans la prière. Nous allons rester seulement terrestres. Ou nous allons mettre Dieu à la capacité humaine. À la capacité humaine, cela veut dire quoi? Il y a certaines choses, quand on le voit, on dit que non, ça c'est tellement grand. Pour nous, les hommes, on réfléchit comme ça. Donc Dieu aussi ne peut pas le faire, non. C'est pour cela que la Bible nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cela veut dire, j'aimerais te dire à un enfant de Dieu cet après-midi, ton Dieu est capable de te donner des choses qui sont tellement grandes. Ton Dieu est capable. J'ai vu une expérience d'un homme qui priait, qui était très pauvre. Il voulait expérimenter Dieu dans son époque. Il a dit, il marchait, il regardait une belle villa. Lui, il n'avait rien. Il dit, étant donné que l'Éternel est Dieu, étant donné que le Dieu que je prie est capable, je vais prier Dieu pour que Dieu me donne cette villa. Vous comprenez, quand quelqu'un n'a rien, il fait, comment je peux dire, une prière exagérée. Mais il savait une chose, que mon Dieu est plus grand que cette villa. Alléluia. J'aimerais rassurer un enfant de Dieu. Ton Dieu est plus grand que la France. Ton Dieu est plus grand que l'Europe. Ton Dieu est plus grand que les papiers. Ton Dieu est plus grand que, oh, je ne sais pas, la vie terrestre. Ton Dieu est capable de te donner au-delà, au-delà. Et lorsque Dieu te parle, Dieu change la dimension de ta vie. Lorsque Dieu parle, te rassure. Ne regarde pas quels sont les obstacles qui peuvent t'empêcher d'entrer ou d'accéder dans ta bénédiction. Observez plutôt combien Dieu est puissant. Alléluia. Cet après-midi, nous voulons apprendre quelque chose. C'est une question quelque part. C'est aussi une déclaration. Quels sont ou quels sont les privilèges de la vie chrétienne en Jésus? Hein? Alléluia. Maman, oui. Quel est le privilège de la vie chrétienne en Jésus, ou de la vie en Jésus-Christ? La vie païenne, la vie en Jésus-Christ. Quels sont les privilèges? Bien-aimés, il y a des choses. Si vous avez des privilèges que vous-même, vous ne savez pas. Il arrive, il y a des fois, on a droit d'avoir 5 euros. Mais on ne sait pas qu'on a droit d'avoir 5 euros. Tu restes comme ça, tu es mère de faim. Il arrive, il y a des fois, que Dieu a déjà ouvert le ciel, mais on est là en train de pleurer. Il arrive, il y a des fois, Dieu a déjà solutionné ton problème, mais on est là en train de rester dans la distraction. Les privilèges de la vie en Jésus-Christ, quels sont? C'est pour cela que les disciples ont posé la question, à savoir, Maître, nous avons tout abandonné, tout laissé, mais qu'est-ce que nous aurons en retour? Qu'est-ce que tu auras en retour? Bien-aimé, suivre Jésus, suivre Dieu, être avec Dieu, marcher avec Jésus, la vie chrétienne en Jésus-Christ réserve beaucoup de récompenses. Ah, je dis, il te réserve beaucoup de récompenses. Parce que ma Bible me dit, notre Dieu, ton Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, je me dis, un enfant de Dieu, ta récompense sera grande. Bien-aimé, ne regarde pas ton sacrifice, le prix que tu payes pour toi, la relation avec ton Dieu. Observez plutôt et regardez plutôt combien Dieu va te récompenser. Il y a certains attributs, un homme ne peut pas avoir ça. Il faut être parmi les 24 rivières pour avoir certains attributs. Alléluia. Mais Dieu, si je parle, Dieu est capable de te donner certains attributs. Et lorsque nous entrons ou nous marchons avec Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, on est d'abord délivré. On a été délivré. Libéré d'un point, d'un autre point, comme dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et la Bible dit, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, il y a des choses, même si un féticheur parle,
même si ton père part, ne pourra en aucun cas changer ça. Mais le fait d'être en Christ, le fait d'être attaché à Dieu, Dieu te donne l'accès, l'opportunité de devenir une nouvelle créature. Oh, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, des choses anciennes de votre vie, Dieu les a déjà effacées. C'est pour cela que nous avons appris l'autre fois, la Bible même dit, il y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Les autres seront condamnés, mais toi tu ne seras pas condamné. Les autres seront rabaissés. Toi, à cause de ta relation avec Dieu, ça te donne des privilèges que les autres n'ont pas. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu a commencé sa relation avec un homme. Un homme qui est en bonne relation avec Dieu, fais attention avec lui. Même s'il marche pieds nus, méfie-toi. Même s'il n'a rien, méfie-toi. Laisse-moi te dire, parce que Dieu est capable de dire. Lorsque la parole de Dieu est sortie, il vient vers toi. La Bible dit, ne rentre jamais sans produire des effets. Que la parole de Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Si tu es attaché à Dieu, sache que tu as des privilèges. Quel est ce peuple-là, ici-bas? D'abord, Dieu a promis, je vais enverrer ton peuple en esclavagisme. Et Dieu a même déterminé les années. Mais écoutez-moi, lorsque je parlerai encore, ce peuple ne sera plus esclave. Et la Bible dit, un vrai enfant de Dieu ne reste qu'esclave pendant 7 ans. Alléluia. Amen. Ah, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, cet après-midi, à cause de la parole, à cause de la puissance de la parole, je suis venu t'annoncer l'année de jubilé. Je suis venu t'annoncer l'année de la différence. Je suis venu t'annoncer l'année dont les gens verront que ton Dieu est véritable. Si autrefois tu étais vaincu, le temps maintenant est arrivé que les gens voient que ton Dieu c'est un véritable Dieu. Il y a des fois quand Dieu nous parle de certaines choses, je suis dépassé. Quand Dieu te délivre, il te place sur la route. Alléluia. Tu quittes l'Égypte, il te place sur la route. Mais je voudrais dire à un enfant de Dieu, si tu as une bonne relation avec le Christ Jésus, si tu as une bonne relation avec lui, laisse-moi te dire, tu n'es qu'en route. Des bonnes choses t'attendent devant toi. La bénédiction attend devant toi. L'accomplissement attend devant toi. Bien-aimé, ne sois pas incrédule devant la parole de l'Éternel. Ne sois pas incrédule. Ne regarde pas Dieu à la manière des hommes. Sans Dieu, il ne peut pas le faire. C'est ce qui a fait que des enfants d'Israël, on dirait encore dans le désert. Écoutez ces privilèges. La Bible dit que Jéricho était déjà habité, barricadé. Et Jéricho, dans Jéricho, habitait des géants. Mais dans la promesse de l'Éternel, Dieu a dit, je vous amène dans un pays là où coule le lait et le miel. Comment expliquer? Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'Israël était délivré en Égypte, ils ont récupéré l'or, ils ont récupéré la richesse égyptienne. Oh, tu ne sortiras pas pauvre. Si quelque part on t'a volé quelque chose, lorsque la privilège de Dieu arrive vers toi, tu vas récupérer même leurs richesses, que leurs richesses redeviennent en toi. Alléluia. Ils n'ont pas sorti comme ça. Donc, ça dit des années d'esclavagisme. Ils sont sortis tellement riches. Parce que Dieu a parlé. Bien-aimé, n'aimez pas Dieu dans des petites choses. Il y avait des gens qui avaient la conviction en disant que Dieu peut le faire. Mais il y avait aussi ceux-là qui disaient, Jéricho non, Jéricho non. Quand Dieu te donne la délivrance et il te met en route, fais confiance à Jésus-Christ. Fais confiance à Dieu, peu importe les circonstances, les réalités. Même si Jéricho est habité, mais Jéricho va tomber sans combat à cause de l'or de l'Éternel. Alléluia. La force, ta force ne va pas répondre au problème lorsque tu es avec Dieu. Que l'Éternel, ton Dieu, soit ta force. Oh, que la puissance de la parole t'accompagne dans tes combats, dans les réalités que tu traverses, que le nom de Jésus défend ta cause. Ne doute jamais quand Dieu te parle quelque chose. Même si en toi, en soi-même, tu sens que c'est impossible. Mais sache une chose, Jésus que tu as accepté, il te fait une femme ou un homme privilégié. Que les privilèges de Dieu marchent avec toi toujours de nuit. Il y a même des gens, il m'est arrivé, là où tout le monde est bloqué, un enfant de Dieu passe. Alléluia. Surtout lorsque ton jour arrive.
Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Ah, aujourd'hui, c'est ton jour. Bien-aimé, quand tu es privilégié, quels sont des privilèges? Sache une chose, que je ne suis pas seul, que vous n'êtes pas seul, jour et nuit. Où que tu sois, tu ne seras pas seul. Alléluia. Et cette route que Dieu nous amène, c'est une route qui est nouvelle et vivante. Alléluia. C'est une route qui est nouvelle et vivante. Alléluia. Écoutez ce que David disait. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, car je sais qu'il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Alléluia. Bien-aimé, si tu as des promesses de Dieu, peu importe la direction, le chemin que tu traverses, sois rassuré que Dieu est avec moi. Il est très important pour un enfant de Dieu qui marche avec l'Éternel. Sache que dans mes situations, malgré ma maladie, malgré mes problèmes, Dieu est à mes côtés. Oh, sa parole me rassure. Oh, l'assurance que Jésus a prononcée face aux disciples, ça les a rassurés. Que la parole de cet après-midi soit ton assurance. Sache qu'une chose, la route que Dieu m'a mis, que la direction que Dieu m'a mis, c'est une route nouvelle et vivante. Bien-aimé, on peut marcher dans une route très sec. Quand ils marchent dans la route vivante comme étaient les enfants d'Israël, là où les gens ne peuvent pas manger, la manne va tomber pour toi. Là où il n'y aura pas l'eau, l'eau, la parole sera l'eau qui va rafraîchir ton cœur. Là où les gens seront troublés, il viendra te dire que je t'aime comme tout. Oh, l'assurance, même quand lorsque tes pensées commencent à voyager, il viendra te dire que je suis à tes côtés. Alléluia. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, lorsque tu es rassuré, malgré les grandeurs des combats, fais confiance à Dieu. Car tu combats dans la victoire. Est-ce que l'église peut acclamer parce qu'on a combattu dans la victoire? Amen. Il est très important de savoir que la route que j'ai empruntée, c'est une route vivante. Bien-aimé, Jéricho doit tomber. Si tu fais confiance à Dieu, sache une chose. Il y a des gens qui sont avec Dieu. Ils ont tellement l'affinité avec Dieu, il est rassuré. Je donne l'exemple des prophètes Élie. Il disait, appelez votre Dieu. Appelle-lui, je vous donne le temps. Mais lui, il avait tellement l'affinité. Alléluia. Et lorsque quelqu'un a l'affinité avec quelqu'un, il dit, si je parle avec lui, ça va aller. J'ai vu quelqu'un en colère. On dit, appelle seulement telle personne. Si papa et maman arrivent, il va se calmer. Comment expliquer? Alléluia. Et laisse-moi te dire, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si l'Esprit de Dieu opère en toi, tu auras l'affinité avec Dieu. Or, le Dieu que nous prions n'est jamais loin. Le Dieu que tu pries, ne pense pas qu'il ne connaît pas tes problèmes. Le Dieu que tu pries, il a fait de toi un enfant privilégié. Même si tu pars aujourd'hui et que demain tu viens, tu seras toujours accueilli. Ça peut susciter la jalousie auprès d'autres personnes, mais tu seras toujours accueilli. Et Jésus les a dit dans un parabole. Il dit, un enfant qui vient sur son père, il était tellement privilégié. Mais jour, il a pris la décision en disant, je vais partir. Donnez-moi la part de mon bien. Bien-aimé, lorsque tu es un enfant privilégié, lorsque la privilège de Dieu est sur toi, tu peux même commettre des erreurs. Le pardon te sera accordé. Alléluia. Il arrive, il y a des fois à l'église, des gens veulent voir mourir l'autre. Tue-les. Tue-les. Mais cet homme m'a dit une chose. Non, je préfère être serviteur chez mon père qu'ailleurs. Bien-aimé, si tu sais qu'auprès de mon Dieu, j'ai des privilèges, bien-aimé, tu ne peux pas lâcher. Tu vas préférer être devant la présence de Dieu. Et quand j'observe d'autres personnes, David disait, vaut mieux un petit moment devant ta présence que 1000 ans ailleurs. Bien-aimé, tu ne seras pas mieux ailleurs si ce n'est auprès de l'Éternel. Ne prends même pas la décision de partir ni d'abandonner Dieu. Et nous avons appris la fois dernière, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement.
Et la Bible dit que Jésus est resté fidèle jusqu'à la mort. Lorsqu'il y a l'affinité, on sait une chose. Même si rien ne va, même si rien ne tourne, mon Dieu est là et il est à la direction de toutes choses. Alléluia. Lorsque l'affinité est là, quand Dieu te parle, malgré le chemin est compliqué, malgré le chemin est complexe, tu sais une chose, mon Dieu est capable. Écoutez-moi, très peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que l'église peut dire encore gloire à Dieu? La Bible dit une chose. Un homme a pris les relèves de Moïse. Il avait l'affinité avec Dieu. Et celui qui a l'affinité avec Dieu, Dieu lui parle. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait jamais quelque chose sans révéler à ses serviteurs bien-aimés. C'est pour cela que je t'encourage toujours à servir Dieu. Bien-aimé, même si balaye l'église, sers Dieu. Même si nettoyer des vitres, sers Dieu. Ne reste pas à côté. Parce qu'il y a des paroles que Dieu a dit spécialement pour ses serviteurs. Alléluia. Et la Bible dit, vous me servirez et je vous bénirai. Et la Bible dit, lorsqu'on a choisi Josué, l'Éternel a dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Alléluia. Josué, mon serviteur Moïse est mort. Et laisse-moi te dire, quand la parole de Dieu arrive vers toi, même si tu n'as personne, lorsque Dieu est avec toi, lorsque tu as l'affinité avec Dieu, sache une chose, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Ah, j'ai dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il est temps de savoir que je suis un enfant privilégié. Là où les autres vont échouer, toi tu n'échoueras pas, à cause du nom de Jésus. Là où on dit qu'il y a des limites, à cause du nom de Jésus, toi tu dois dépasser ces limites-là. Je déclare cet après-midi que les limites qui sont devant toi tombent au nom de Jésus-Christ. Étant donné que tu as l'affinité avec Dieu, c'est pour cela que la Bible dit, oh, j'ai déjà entendu quelque chose. Toute personne peut chanter pour Dieu, mais toute personne ne peut pas adorer Jésus. Ah, alléluia. Bien-aimé, toute personne peut parler le nom de Dieu, mais toute personne n'est pas de Dieu. La Bible dit, nous avons reçu des privilèges. Nous sommes des nés de Dieu. Autrefois, on était en écart. Nous avons un grand frère. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, versets 12 à 13, à ceux qui croient à son nom, elle, ce Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quel privilège! Quel privilège! Quel privilège! Quel privilège! Alléluia! Écoutez-moi très bien ce que je vais dire. Parce que des pratiquants de religion vont comprendre. La Bible dit que Dieu ne peut pas engendrer. Les pratiquants des religions disent que déjà c'est catégorique. Dieu ne peut pas engendrer. Mais Dieu t'a fait un privilège. La Bible dit de quel ils sont nés. La Bible même dit la manière dont nous sommes nés. Ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as certains privilèges, c'est pour ça. Quel privilège? Écoutez ces privilèges. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que quelqu'un peut me donner? De marcher sur scorpion et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Amen. Quel privilège, alléluia. Bien-aimé, moi un homme, l'enfant d'un monsieur, d'une femme, d'avoir ce privilège-là, de marcher, de dominer. Hey, alléluia. De boire même certains breuvages mortels sans pour autant mourir. Oh, si ce n'est pas à cause de cette parole, si ce n'est pas à cause de la parole de Jésus, comment cela peut arriver à moi? Et la Bible dit, sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Mon frère, ma sœur, cet après-midi, je confirme, à cause de cette parole, rien ne pourra te nuire. Je confirme, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Je confirme, ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance. Tu es un enfant privilégié. Cette grâce-là est descendue sur toi. Dieu a donné un grand privilège en disant tout simplement, je n'habiterai plus par des maisons construites par des hommes. Dieu a changé la vie en disant tout simplement, ne savez-vous pas? Est-ce que toi tu ne sais pas? Est-ce que toi tu ne sais pas? Et que ton corps c'est le temple de l'esprit. Quel privilège que Dieu lui-même est venu s'habiter en toi. Jésus a déclaré, personne ne peut venir au Père si, à moi si le Père l'attire. Mais il dit, si quelqu'un m'accepte, moi et mon Père, nous allons faire notre demeure en lui. Et Dieu habite en toi.
Si des gens sont en train de chercher Dieu, je me vois Dieu en toi. Alléluia. Je vois Dieu en toi. Je vois Dieu dans ta vie. Dieu marche avec toi. Tu es privilégié. Ne prie pas Dieu comme il va venir ailleurs. Parce que Dieu est en toi. Salomon, d'abord David, on lui a dit, je veux un temple pour moi. Alléluia. Il a dit, je veux un temple. Mais Dieu a dit, j'ai maintenant des enfants privilégiés. Je n'habiterai plus dans des maisons construites par les hommes. Si Dieu est en toi, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Si Dieu est avec toi, en toi, Dieu va transformer tes échecs en victoire. Si Dieu est en toi, la victoire de la croix est devenue ton partage. Si Dieu est en toi, Dieu t'a donné déjà la vie éternelle. N'attends pas la vie éternelle, oh, parce qu'il est éternel. Dieu habite en toi, son esprit est en toi. Bien-aimé, que ce soit un désir de dire que je dois avoir l'affinité. Dieu est avec moi. Et quand Dieu te donne les schémas pour vaincre tes ennemis, bien-aimé, ne discute pas, fais confiance à Dieu. Parce que tu sais que ce que l'Éternel dit n'échoue pas. Ce que l'Éternel déclare ne rate pas. Oh, lorsque Dieu a parlé à Josué, Josué, qui était Josué? En Israël, il était chef militaire. Pour un chef militaire, il faut lui donner des stratégies de combat militaire. Mais Dieu lui a dit, écoutez-moi Josué, placez des gens en ordre, des souverains sacrificateurs là, des lévites là, placez l'arche de l'alliance dans telle place, commencez seulement à tourner. Alléluia. Des gens verront que ton Dieu tient une infinité avec lui. Des gens qui croient que tu resteras esclave, non, c'est déterminé 400 ans. Je suis venu te dire, à cause de ton Dieu, le temps d'esclavagisme est fini. Tu es privilégié. Si tu étais en dehors de Dieu, fais un effort. Prends une résolution, comme l'enfant prodigue a fait. Je rentre vers mon Dieu. Parce qu'il y a des privilèges qu'aucun homme ne peut te donner. Même moi, si je te promets, j'évite de promettre parce que je suis prudent. Parce que je sais que je peux échouer. Mais ton Dieu n'échoue jamais. Si tu es là cet après-midi, ton Dieu n'échoue jamais. Si tu es là cet après-midi, sache que je suis privilégié. Qui peut parler à Dieu? On a appris ici, dans l'Ancien Testament, quand Moïse priait, il y avait certaines personnes qui pouvaient être déléguées à la rencontre de Dieu. Dans le Nouveau Testament, avant la naissance de Jésus, la Bible dit, lorsqu'un souverain sacrificateur rentre dans les lieux très saints, c'est un privilège. D'ailleurs, pour avoir ce privilège-là, il faut être tiré au sort, d'abord. Ça, c'est un. Deux, lorsque tu es tiré au sort, il y a deuxième chose qui arrive. Cela veut dire quoi? On va t'attacher dans un corps. C'est toi celle qui entre là-bas. Si Dieu n'accepte pas les paroles des péchés, on te tue. L'ange de l'Éternel te tue. Mais quel est ce privilège-là, malgré mes fautes, malgré tous mes défauts? Mais Dieu me prend. Malgré ce que je suis, il accepte chaque jour de pardonner. Et il me dit encore, il m'enseigne encore. Il dit, pardonne. Te dis à moi, dites-moi, pardonne mes offenses comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé. Un enfant de Dieu doit pardonner. Si tu es privilégié, ne sois pas, ne reste pas là. Je ne voulais pas te demander de lever la main. Mais il y a des gens qui prient, mais qui ont des problèmes graves avec des gens. Le plus grave même de pas serviteur de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui dit que dans cette église-là, moi, je ne peux pas aller parce qu'on ne s'attend pas. Vous servez quelle gloire? Nous servons quel Dieu? Et des gens disent que, comme disait selon de Paul et Paul et Saul et Apollos, Paul et Apollos, je suis de Paul, il est d'Apollos. Bien-aimés, nous avons un seul Dieu. Si nous avons un seul Dieu, bien-aimés, la Bible même dit, comment peut-on dire que nous aimons Dieu sans pourtant aimer ton frère? Alléluia. Il y a même des gens, oh, tu vas faire l'expérience, je ne vais pas montrer quelqu'un. Des gens qui ne te salient pas parce que Dieu t'a donné une nouvelle conviction, va prier là-bas. Il ne te dit même pas bonsoir. Bien-aimé, si Dieu te dit quelque chose, on est soumis à sa volonté. Dis peut-être qu'il te fasse quelque chose de toi-même.
Alléluia. La Bible dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans l'univers, tout lui est soumis. Ta vie est soumise à ton Dieu. Alléluia. Le temps nous fait défaut. Mais sache une chose. Il y a un avenir brillant. Quelque chose de bien qui arrive, mais après aujourd'hui. Alléluia. Il y a quelque chose de bien dans ton avenir qui arrive. Fais confiance à Dieu. Garde tes privilèges et Dieu te bénira. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Commence à prier Dieu, demande le privilège de Dieu.